Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo où je suis aussi moche. Donc là, j'ai fait mes sourcils histoire de ressembler un peu quelque chose. Mais après, je me suis dit que je vais essayer d'être un peu plus naturelle et pas forcément me make-up pour des vidéos. Alors que dans la vraie vie, si j'avais pas une vidéo à faire, je ne me serais pas make-up pour faire mes cheveux là en fait. Tout simplement. Donc je me suis dit, non, je vais pas me make-up. Donc voilà, du coup, je suis ultra nature aujourd'hui. J'ai juste fait mes sourcils parce que j'ai quand même envie d'avoir des expressions, hein, et pas ressembler à un cadavre non plus. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils et là je me rends compte que j'ai pas beaucoup de batterie en fait. Sachant que j'ai chargé hier, je ne comprends pas. I don't understand. Anyway, donc cette vidéo, j'ai déjà essayé de la tourner il y a genre 2 semaines et j'ai pas réussi parce qu'en fait le son était pourri, je sais pas pourquoi. Du coup là je refais une vidéo, mais si vous me suivez sur mes réseaux ou sur Snapchat, donc c'est dans la barre d'infos, vous êtes au courant de ce produit, du produit dont je vais parler aujourd'hui. Attention, je vais le chercher. Ta-da-da-da. Donc c'est une brosse à cheveux soufflante, donc c'est comme un sèche-cheveux mais la brosse est intégrée, donc voilà, concrètement c'est ça. Et du coup, j'ai lavé mes cheveux en fait ce week-end. Et j'ai fait mon masque aussi ce week-end. Donc là, mes cheveux, ils sont hydratés, conditionnés, ils sont tout bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon brushing. Ils sont pas mouillés, mais je vais les mouiller parce que ça ne sert à rien. Je vais faire mon brushing parce qu'en fait, je vais faire des tresses pour ce lockdown number 2. Et parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc je vais faire des tresses, je pense que je vais garder une semaine histoire de tester plein de styles en fait. Et voilà. Et pour faire des tresses, je ne fais plus de tresses sur cheveux pas étirés. Voilà, je sais qu'il y a plusieurs méthodes pour étirer les cheveux, mais moi j'ai envie d'utiliser de la chaleur. Alors j'ai acheté ce produit chez Cdiscount, si je trouve d'autres liens genre Amazon, je mettrai dans la barre d'infos. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Enfin, j'ai déjà unbox moi-même il y a quelques jours de cela. Parce que je l'avais déjà testé, comme je l'ai déjà dit, je crois. Je sais pas si je l'ai dit. Mais tant pis, je le redis. Du coup, la brosse, elle est comme ça. Voilà. Il y a des cheveux. Parce que je crois que j'ai utilisé sur une perruque. Et voilà. Donc, il y a des cheveux lisses. Mais il n'y a pas mes cheveux crépus. Donc, ça me rassure. S'il n'y a pas mes cheveux crépus, c'est que j'ai pas perdu des cheveux. Ouais. Donc, alors, par contre, là, je me rends compte qu'en fait, le truc qui va être le plus chiant avec cette brosse, c'est d'enlever, en fait, les cheveux. Ça va être hyper chiant. Donc, voilà à quoi ça ressemble. C'est une brosse classique. Ça fait la taille de... Waouh, c'est assez grand, quand même. Ouais, 2 fois ma tête, on va dire. Il y a un fil ultra long. Alors, ah oui, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que j'ai acheté sur Cdiscount. Mais en fait, ça venait de Londres, ou plutôt de des United Kingdom. Et donc la prise, elle n'est pas française. Du coup, j'ai dû rajouter un adaptateur que j'avais déjà. Donc ayez toujours un adaptateur chez vous, si jamais ça peut être utile. Du coup, j'ai ça. Je ne sais pas si ça abîme les produits à terme. That's a good question. Alors, je vais vous expliquer la procédure. Là mes cheveux, mon Dieu, je suis immonde, mais c'est pas grave, on va supporter ça ensemble. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mouiller section par section, donc du coup mes sections elles sont déjà faites, ça c'est pratique. Je vais défaire genre cette mèche, donc là je suis, ouh là là, en fait j'ai fait un braid out là, sans m'en rendre compte. Parce que là, ouais, j'ai fait un petit braid out. Mais bon, voilà. Donc, en gros, je veux prendre cette partie. Donc là, mes cheveux, ils sont hydratés. Ouais, ils sont hydratés. Ouais, ils sont hydratés. J'essaie de toucher pour voir s'ils sont secs ou pas. Je sens pas de sécheté. De sécheté, de sécheresse. Ils sont bien hydratés sur mes longueurs. Il y a un petit peu mes pointes qui, je trouve, sont un petit peu sèche, pourtant j'ai mis du masque et tout, donc ça c'est un peu relou. Je vais juste les réhydrater, mais vraiment faire en sorte que cette partie là soit
vraiment, vraiment hydratée, parce qu'en fait, les longueurs, on s'en fout, limite. Mais c'est cette partie-là qui est très importante si on veut avoir de la longueur. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre tous les outils dont j'ai besoin pour faire cette coiffure. Donc, je reviens dans un instant. Alors, je suis de retour. Donc, je vais hydrater. Donc, comment on hydrate les cheveux? Donc, là, je vais en mettre sur les longueurs, mais je vais insister sur les pointés. Parce qu'on hydrate les cheveux avec de l'eau. Donc, à mon avis, sur mes longueurs, normalement, je pense pas que l'eau sera absorbée parce qu'en fait, tout simplement, j'ai mis un produit qui a scellé l'hydratation. Donc là, je vais utiliser ça, des secrets de Loli. Et je vais en mettre sur les pointés. Hop là. Donc là, c'est un lait qui hydrate et nourrit. Donc c'est ce dont j'ai besoin. Donc voilà. Ensuite, je vais utiliser ceci. Je mettrai tout dans la barre d'infos. Donc ça, c'est plus un beurre. Disent que c'est quoi? Un beurre hydratant. Voilà. Et je vais le mettre juste sur les pointés. Et là, je remonte un tout petit peu. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser un protecteur de chaleur. Et là, j'utilise surtout mes cheveux. Attendez. Ouh, les gens adorent m'envoyer des messages quand je fais des vidéos. Alors, on va utiliser la brosse. Donc là, mes cheveux, ils sont pas hyper humides. Donc je vais juste peut-être. Je vais juste peut-être les remouiller un peu. Voilà. Donc il y a juste à tourner. Il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau 0, froid, chaud, très chaud. Voilà ce que ça donne. Ensuite, voilà ce... je suis un petit toqué, okay, désolé. Voilà ce que ça donne. C'est ultra simple d'utilisation. Regardez comment mes cheveux sont brillants. Non, voilà. Et je fais attention ici. Donc après, quand je vais faire mes tresses, ce sera tout simple. Voilà pour la démo. Je vais faire 2-3 mèches caméra. Ça veut rien dire cette phrase. J'arrive plus à faire des phrases. Je dis je vais faire 2-3 mèches caméra. Non. Je vais faire 2-3 mèches devant la caméra. Puis après, je vais finir hors caméra et revenir. Quand j'aurai tout fini, tout simplement. Ça se sent quand tu fais pas des vidéos depuis longtemps, t'arrives plus à parler. Mais c'est pas grave. On va faire. Ouh, cette partie-là, elle est grosse, hein. Mais bon, c'est pas grave. Bon, les gars, j'ai fini de me faire les cheveux. Donc, ce que je vais faire là, c'est enlever les twists parce qu'en fait j'ai fait des twists quand je me suis coiffée. Enfin, vous l'avez vu de toute façon. Comment vous me trouvez? Est-ce que
que je suis cute comme ça. J'ai l'impression que mes cheveux ont encore poussé. Yes! Ça pousse trop vite, c'est trop génial. J'adore. Donc, voilà ce que donne la brosse chauffante, lissante, qui fait à la fois ses cheveux. Hyper pratique. Et puis c'est rapide, et puis c'est bien fait. Et puis t'as les cheveux démêlés en même temps. Donc c'est vraiment un gain de temps. Ça m'a mis à peu près une heure pour faire mes cheveux. Pour être honnête avec vous, une heure. Ce qui est plutôt rapide, je trouve. Voilà. J'étais en train de faire plein de choses en même temps. Donc une heure pour avoir ce résultat. J'ai pris des petites sections. Donc vous avez vu toutes les sections que j'avais dans mes cheveux. C'était à chaque fois la section que je prenais pour blow dry my hair en fait. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Voilà. Donc je vais garder cette coiffure aujourd'hui. Et demain je vais me tresser normalement parce qu'en gros j'ai étiré mes cheveux juste dans le but de pouvoir me coiffer après plus facilement. Voilà, c'était juste pour ça en fait. Et aussi quand vous étirez vos cheveux, ça évite qu'il y ait des nœuds, etc. etc. Donc c'est plutôt pratique. Aussi pour avoir de la rétention au niveau de la longueur de vos cheveux. Voilà. Donc je suis hyper satisfaite du résultat. Là je me suis maquillée mais juste pour cette vidéo. C'est-à-dire que là je vais me démaquiller tout de suite. Donc voilà. Alors si vous voulez plus d'infos sur le produit Revlon, donc la brosse, tout est dans la barre d'infos. Si vous voulez voir d'autres vidéos, bah checkez mes autres vidéos, hein, n'hésitez pas, elles sont cool. Et puis on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour l'autre vidéo. Je vais essayer d'en faire beaucoup plus. Je vais me battre contre moi-même pour faire plus de vidéos parce que je vois vos commentaires et ça me fait ultra chaud au cœur. Je vous remercie de vos commentaires, les gens qui me suivent sur Snapchat notamment et qui m'envoient des messages du genre ouais, quand est-ce que tu reviens, etc. Ça me fait trop plaisir, donc je reviens, I promise, I'm back pour de bon. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et à bientôt. Je crois que j'aurais dû peut-être mettre du... Oh, là je me rends compte que j'aurais dû mettre ma lumière un peu plus forte, sachant qu'il fait nuit et qu'en fait je l'ai mis comme ça tout à l'heure. Which is nice.